Hey Matelot, ici Defro aujourd'hui pour un tutoriel sur une énorme villa moderne sur Minecraft. Et comme au début de chaque vidéo, du coup je vais donner les maisons qu'on a déjà fait en tutoriel lors des derniers épisodes de la chaîne aux abonnés qui ont mis des commentaires lors de la dernière vidéo ou des vidéos d'avant, hein, parce que je les ai pas toutes sous les yeux directement. Cette fois-ci, on va donner cette maison-là qui était, qui est bientôt la maison qui a fait la vidéo la plus vue de la chaîne, quasiment, oui, rien que ça. Et donc, elle va être donnée attention à Celicia Enrion. GG à toi, du coup, pour gagner cette maison-là. Et du coup, la deuxième maison que je vais donner aujourd'hui, ça va être la maison qu'on a fait, du coup, la dernière fois. La vidéo n'est pas encore sortie, d'ailleurs. C'est cette maison-là. Qui est donc une propriété de notre cher ami Esteban84. Donc GG à vous deux pour avoir gagné les maisons sur la map. Je rappelle du coup, pour pouvoir gagner vous-même des maisons sur la map, il va falloir mettre des commentaires et des pouces bleus à la vidéo. Comme ça, ça me permet de me référencer et vous, ça me permet de gagner des maisons. Donc c'est tout bon, tout propre. Ça veut rien dire, mais vraiment, bref, moi j'aime bien dire ça quand même. Du coup, on en était sur le nouveau quartier moderne que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et donc du coup, cette fois-ci, on va faire une très grosse maison, comme vous pouvez le voir, sur un plot qui va faire 50 blocs de large sur 100 blocs de longueur. Et on va prendre toute la longueur, hein, vous inquiétez pas. Et l'idée du coup, c'est que je vais vous donner en premier lieu, pour commencer cette maison, le pattern global de la maison ici qui ressemble un peu à un S quand on regarde du dessus, ok. Et donc je vais vous donner ça, je vais vous donner les dimensions dans l'ordre, ok. Donc on va commencer par le bout ici, hop, voilà. Donc j'ai utilisé des blocs de quartz, hein. L'idée c'est qu'il y a 5 blocs en dessous de notre pattern, hein, ok. Ce qui fait qu'il va falloir faire notre pattern à ce niveau là au 6 et 7e bloc au dessus de votre parcelle, hop. Petite commande pour cliquer plus loin, c'est plus pratique. Voilà, donc je vais donner les dimensions dans l'ordre et là il va falloir être attentif parce que sinon, si vous en loupez une, ça va vous faire des décalages sur tout le reste. Alors du coup on y va, ici on en a 3 blocs de largeur, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs en diagonale, ok, ici 3 blocs en diagonale, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs en diagonale, 2, 1, 2, 3 en diagonale, 2, 2, 2, 3, 5, 5. Alors, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici. 4, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en diagonale. 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en diagonale ici. À partir de celui-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en diagonale. 2, 1, 2, 4, 3, 4, 3, 2 et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en diagonale. 2 ici. 1, 2, 2. 3, 4, ici on en a 9, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 2 en diagonale, 2 ici, 2, 3, alors ici on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur la longueur. Ici 4, ici 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3 en diagonale. Et normalement, vous devrez retomber sur les 3 blocs du départ. Ok,
Deuxième précision du coup qu'on va mettre, c'est qu'il va falloir avoir deux blocs de hauteur pour notre pattern, ok? Donc c'est au 6 et 7e bloc au-dessus de la parcelle. Alors pourquoi est-ce qu'il faut deux blocs de hauteur? C'est parce qu'on va mettre une piscine dessus notre premier étage, et donc du coup bah, ça va être plus pratique. Ok, donc du coup on va aussi mettre un escalier dans une tour de verre, comme j'aime bien les mettre, et donc du coup je vais en mettre une au niveau du sol. Donc l'idée c'est qu'on va utiliser des blocs de vitres bleues, claires, voilà par exemple. On va prendre ces trois blocs ici, ok. On va venir mettre voilà, des blocs sur le côté à ce niveau-là. Moi j'ai mis les mêmes au niveau du sol et j'ai fait le pattern de la tour au niveau du sol du coup. Et je vais donc commencer les dimensions à partir de ces blocs-là, ok. Donc là on en met 3, sur le côté ici 2, 1, 2 dans ce sens-là, 3 ici, 2, 1, 2, 3 en diagonale, 2 ici, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 en diagonale, et 2, et normalement, vous retombez sur vos pieds. Ok, très bien, donc ça, on va le laisser pour l'instant, je ne sais pas encore à quelle hauteur on va le mettre. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre tout le plancher déjà. Alors le plancher lui-même, on va le composer du coup en deux parties, comme il y a deux couches de hauteur pour notre étage. L'idée c'est que la première couche au niveau du bas, on va mettre des blocs de quartz tout simplement, et au niveau du dessus, des blocs de bois. Ok, des planches de bois classiques, et on met ça sur toute la largeur, et on fera après d'autres choses par-dessus, mais pour l'instant on fait ça. Voilà un peu ce que ça donne du coup. Alors j'ai mis en place le pattern pour le deuxième étage, ou pour le toit en fait. Et du coup j'ai une petite précision à faire aussi, j'ai rajouté tout le plancher au niveau du premier étage. Vous rappelez, j'avais fait ce pattern là en dessous, un peu comme celui-là, c'est-à-dire avec des blocs comme ça qui étaient juste les uns à côté des autres, mais sans qu'il y ait de blocs comme ça pour les relier entre eux. Eh bien au premier étage, c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté tous ces blocs là en fait, vous voyez tous les blocs qu'il y a au niveau des coins, entre les bords finalement, et eh bien je les ai rajoutés, et c'est ce qu'on va faire aussi après au deuxième étage, mais c'est quand même plus facile pour les compter et pour donner vraiment des dimensions précises lorsqu'on rajoute pas ces blocs là qui sont des blocs de coins en fait. Donc c'est pour ça que je les ai pas fait. Le deuxième étage du coup, on va le monter à 5 blocs encore au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire on va laisser 1, 2, 3, 4, 5 blocs, ok, en tout, et après on va mettre 2 blocs au-dessus pour faire tout le pattern à ce niveau-là. Alors, ça va être beaucoup plus facile sur celui-là puisque c'est le même pattern qu'en dessous, sauf à deux endroits, hein, à ce niveau-là et à ce niveau-là là-bas. Donc beaucoup plus simple à ce niveau là ici. L'idée c'est qu'on va rajouter 1, 2, 3 blocs comme ça de longueur avec les blocs en diagonale au niveau du quartz ici, pour que ça soit plus long que la partie du dessous en fait. Voilà. Au niveau du dessous ici, vous avez la partie de 3 blocs à ce niveau là qui correspond à celle d'en dessous. On rajoute 2 blocs comme ça en diagonale, voilà, 2 et 2, et puis après que des diagonales. Donc rien de compliqué. Alors partout après c'est la même chose qu'en dessous, et à ce niveau là du coup, à partir de ce bloc là, donc qui est ce bloc là en particulier en fait, ok, enfin comment dire, il est juste au dessus de ce bloc là, du coup vous prenez la première barre de 3 à ce niveau là, vous reprenez la barre de 2 juste après, hop, et vous êtes aligné normalement, ok, voilà. Donc du coup à partir de ce bloc là on en a 1, 2 en diagonale, puis 2, 2, 3, 2, 2, 2 et 2 en diagonale comme ça, et vous arrivez du coup hop à ce niveau là, c'est à dire pile poil sur le milieu de notre barre de 3 blocs qu'on avait mis au tout départ, vous voyez. Donc c'est vraiment bien localisé, hein, c'est dans le creux de la vague, hein, si on peut dire, pile en plein milieu. Ok, donc comme ça c'est plus facile à repérer. Une fois qu'on a fait ça, du coup, eh bien on va pouvoir mettre la suite, et notamment, hop, notre petite tour de verre que l'on va monter au-dessus du coup de tout le reste. Alors il n'est pas collé au... Ah oui, non, ok. On va le monter du coup à combien? On va le monter à 20 blocs de hauteur, hein, vous voyez, donc là ça fait 20 blocs de hauteur. L'idée c'est qu'on va prendre tout le cercle à ce niveau là et le monter à 20 blocs de hauteur.
Hop, voilà. Et une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir mettre un dôme de verre au-dessus de toute cette histoire-là. On va dans un premier temps du coup prendre le bout de notre cercle ici, vous voyez, la barre de 3 blocs à ce niveau-là. On prend la dernière, puis on rajoute comme ça 2 blocs de hauteur. Ok, je vais enlever les blocs des coins, comme ça sera plus visible. Ok, donc voilà, on rajoute 2 blocs en hauteur, puis après un en diagonale, 2 comme ça, 5 en haut, 2, 1 et 2, et on retombe sur notre truc ici. Donc l'idée c'est qu'on va faire ça partout, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre 2 couches de hauteur comme ça sur toute la largeur. Hop, et voilà, ainsi de suite, hein. Une fois qu'on a fait le tour comme ça, on va faire l'autre au-dessus, c'est-à-dire juste une ligne qui vient sur la diagonale de tout le tour du cercle, comme ça. Voilà. Puis après, 2 sur la largeur. Donc, on revient comme ça. Hop, si j'arrive à cliquer où il faut. Voilà, donc on rajoute une épaisseur. Alors du coup, on enlève les blocs de coin pour y voir clair. Voilà, à peu près. On rajoute du coup des blocs pour l'épaisseur. On va rajouter un bloc ici pour que ça soit plus joli. Et on bouge tout au niveau du dessus. Ok, donc là ça nous fait un truc un peu particulier évidemment, comme c'est pas vraiment un rond, hein, c'est un ovale. Du coup on fait la même chose à ce niveau là. Voilà. On peut aussi rajouter du coup des blocs à ce niveau là. Ok, ici, ici. Ça fait un peu plus rond du coup. Paf, paf, paf. Comme ça, de chaque côté du coup. Hop. Hop. Et lorsqu'on s'éloigne du coup pour regarder le résultat, après évidemment il faudra voir tout le reste de la maison, mais pour l'instant voilà, ça commence à prendre forme un petit peu notre histoire. Ok, donc on va faire le toit maintenant du coup. Alors du coup au niveau du toit, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu comme en dessous, c'est à dire avec du quartz par dessous et du bois par dessus, sauf qu'on va pas le faire partout. Ok, on va faire un truc un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir une terrasse, une énorme terrasse en bois au niveau du toit à ce niveau-là, qui va être un peu entourée par une sorte de zone d'herbe qui va nous permettre de faire un toit végétalisé, et toute une partie ici qui va nous servir pour le reste, voilà, qui n'est que de un bloc d'épaisseur. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les dimensions pour la partie qui est surélevée déjà. L'idée c'est que vous partez d'en dessous où il y a toute une ligne de blocs en diagonale à ce niveau-là, ok? Vous prenez le deuxième, enfin vous prenez le premier déjà, vous prenez le deuxième, vous montez, vous mettez un repère ici, à ce niveau-là, ok? Hop, vous êtes de l'autre côté de la maison, il y a toute une ligne de blocs en diagonale, vous prenez le premier, prenez le deuxième, hop, vous montez, vous mettez un bloc du coup à ce niveau-là pour faire un repère, et c'est là qu'il va y avoir notre limite de toit, ou du moins la limite de la deuxième couche du toit, véritablement. Ok. Du coup, je vais vous donner les dimensions pour relier les deux. On en met deux blocs ici, comme ça. Trois blocs en quartz à ce niveau-là. Quatre, comme ça. Trois ici. Deux, deux, un. Et vous arrivez jusqu'à l'autre. Et après, du coup, vous surélevez tout le reste. Et l'idée, c'est que on va laisser deux blocs de marge, en fait, vous voyez, sur la ligne à ce niveau-là, hein, sur tout le contour, on va laisser deux blocs de marge entre notre ligne de bord du toit et le bord de la terrasse en elle-même. Du coup, voilà, il suffit de partir de la pointe. Moi, je suis parti de deux blocs à côté de la pointe à ce niveau-là. Et on laisse toute une ligne comme ça de deux blocs de quartz, de terre sur toute la longueur. Et il y aura juste cette partie-là, du coup, qui va être un peu plus grande que les autres. Alors du coup, l'idée c'est que il va falloir que je vous donne les dimensions pour cette partie-là, en fait, de la terrasse. Après, parce que tout le reste, c'est facile à faire. Du coup, au niveau de la terrasse en elle-même, vous prenez la partie qui a trois blocs, vous voyez, au niveau de notre tour en vert à ce niveau-là. Les trois blocs qui sont reliés directement à la terrasse à ce niveau-là, ok? Vous prolongez sur le côté, ici comme ça, et à partir de là, on en met deux, deux, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5 en diagonale, 2 ici comme ça, 2 comme ça, et après on laisse, on met une ligne de blocs de quartz pour laisser juste 2 blocs de marge de terre, tout simplement, sur toute la longueur, ok? Donc là du coup vous avez les dimensions pour faire la terrasse,
Et du coup, on va pouvoir finir le toit. Mais on va déjà faire les étages aussi, ça serait pas mal. Donc, on va maintenant donner les dimensions pour faire les murs, ainsi que la route de la maison. La route de la maison qui est assez stylée, dans le sens où, vous voyez là, depuis l'ouverture à côté de la tour, eh bien, on passe en voiture à ce niveau-là. Donc, on peut s'arrêter ici et avoir la porte d'entrée. Hein. La porte d'entrée sera dans la tour en vert. Et donc, on aura la porte d'entrée juste à côté, comme dans les hôtels, tu vois. On passera en dessous de la maison, parce qu'il y aura un tunnel, tu vois. Et on garera la voiture à l'autre côté, à ce niveau-là, tu vois. Et on pourra même avoir un escalier entre cette partie-là et le sol. Alors bon, on pourra pas faire monter la voiture dessus, parce que ça sera trop raide, mais on pourra directement monter à l'étage par ce biais-là. Est-ce que ça, c'est pas classe comme idée? Honnêtement. Si, c'est grave la classe! Si, c'est grave la classe. Donc du coup, ce que je vais vous donner, moi, ça va être les dimensions pour réaliser la route au niveau du sol. Pour pouvoir faire ça, je vais vous demander de prendre en repère la tour ici. Ok, donc là, on est sur le devant de la tour. On a les trois blocs sur le devant de la tour. On prend ce bloc-là. On prend la ligne qui est devant. Et on va jusqu'au bord de la parcelle. Ok. On compte donc 1, 2, 3, 4 blocs. Et après le cinquième bloc, du coup, on fait une ouverture comme ça. Voilà. De 11 blocs de large. Oui, parce qu'on aime les routes larges ici. Et on va creuser dedans une route comme ça. Alors, je vais vous donner les dimensions des bords de la route. Hein, et après, il suffira de combler le trou entre les deux. Donc, sur le bord à ce niveau-là, on en a donc 5 blocs pour le bord. Ok ? Ici, alors attends, je vais quand même compter. Ouais, non, si c'est ça, c'est 5. Ici, c'est 5 aussi. Ici, on a 4, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5 en diagonale. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur la longueur ici. 3, 3, 2, 1, et 2 en diagonale. Et donc on arrive ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en diagonale. Et 1, 2, 3, 4 blocs en diagonale dans ce sens-là. On a ici 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 ici. 4, 3, 2, 2, 2, 1. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en diagonale. 2, 1, 2, 2, 3, 4, 4 encore. 3, 4, 5, 6, 7 sur la longueur. Donc 7 sur le dernier et normalement vous arrivez sur l'ouverture, l'autre partie de l'ouverture. Ok, donc on enlève tout de la terre en plein milieu du truc, voyez, et on va rajouter tout simplement l'extension de la route à ce niveau là ou alors un autre bloc. Moi je vais faire des tests, je te montre après. Hop, alors du coup j'ai trouvé l'obsidian qui est bien classe. Avec mon pack de textures, l'obsidian il ressemble à ça, donc n'hésitez pas à le télécharger, hein, il est en description. Alors du coup, une fois qu'on a ça, je vais vous donner les dimensions pour faire tous les murs que j'ai mis au sol. Voilà, on va aller dans l'ordre. Vous prenez la tour déjà. On va prendre à la base les trois blocs qu'il y a à ce niveau-là. On prend le bout ici. Hop, on va sur la même ligne droite, traverser tout ça. On laisse deux blocs après la route et on a ce bloc-là. Ok ? Donc une fois qu'on a ce bloc-là, on pose du béton gris. Voilà, c'est du béton gris clair, hein. À ce niveau-là, on en met un bloc de chaque côté et on a ces trois blocs-là. Et à partir de ces blocs-là, du coup, je vais vous donner les dimensions pour tous les autres pans de mur. Ok. Donc sur la diagonale, on a un 2, un autre 2, un 2, 3, 5, 5, alors 3, 4, 5, 6, 7 ici, 4, 3, 2, 2, 2, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en diagonale, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs en diagonale, puis après on va dans l'autre sens, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs en diagonale, puis 2,
1, 2, 4, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1. Et puis après, on a 3 blocs en diagonale et que des 2 jusqu'à arriver là où on en était au départ. Donc on reprend du coup pour la deuxième partie du premier étage à ce niveau-là. On va repartir avec notre tour ici, nos 3 blocs de base. On va venir sur le côté ici compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. Puis dans ce sens-là, 1, 2 et 3 blocs à ce niveau-là. Et à partir de ce bloc-là, du coup, on va pouvoir faire tout le reste. Donc on en met 2 ici, ok. Sur la diagonale, 2, 1, 2, 3, 4, 5 en diagonale. 2 ici, 2, 2, 2, 3, 4, 7, 4, 3, puis après, alors 1, 2, 3, 4, 5 en diagonale, 2, 2, 2, 1 en diagonale, dans ce sens-là, on en a 1, 2, 3, 4, 5 en diagonale, ici 2 en diagonale, et on repart par là, donc 2, 2, 3, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici, 4, 3, 2, 1 et 2 en diagonale, 2, 2, et là que des diagonales jusqu'à toucher la tour en vert. Puis après on repart à ce niveau là, on en met 3, puis après 2 en diagonale, 3 ici, 6 ici, 3, et on revient sur nos 2 de départ. Ok, donc l'idée c'est que maintenant on va monter tous ces murs là, on va les faire coller jusqu'au plafond. Ok, du coup on a nos blocs au premier étage. En fait l'idée, j'aurais dû vous dire ça, ça aurait été plus simple, c'est juste de laisser une ligne comme ça, vous voyez, de blocs au niveau de l'étage du dessus. Et tout le long en fait des murs qui sont comme ça. Voilà, ça aurait été plus simple à dire effectivement. Alors ici, on va faire pareil au niveau du deuxième étage, du coup on va juste laisser une ligne comme ça de quartz, le bord en fait des murs hein, en quartz, comme ça. Vous voyez, c'était comme ça à la base, hein, il y avait juste la jonction entre le parquet et le quartz. Et ben là, l'idée, c'est de mettre des blocs de béton juste sur les derniers blocs de bois, voilà, avant le quartz. Et puis, faire ça sur tout le long. On va juste du coup commencer à côté de l'ascenseur. Enfin, ça va pas être un ascenseur, mais ça va être une tour en verre. On va juste commencer à ce niveau-là, vous voyez, on va mettre un bloc ici. Et après, on fait tout coller sur le... Sur la ligne de quartz à ce niveau là on va tout jusqu'ici. Alors pour vous donner un repère où s'arrêter, l'idée c'est que vous voyez là une grande ligne de blocs en diagonale au niveau de l'arrière de la maison. L'idée c'est que vous partez d'ici, vous comptez 1, 2, 3, 4 blocs, vous mettez un bloc de béton en face, ça sera là où on va s'arrêter. Hop, de l'autre côté de la maison, il va s'agir à partir de la ligne de blocs en diagonale, on prend juste les 2 blocs qu'il y a juste à côté. On met un bloc à ce niveau-là, et puis on fait une petite courbe ici avec 2, 2, 2, et 4 blocs en diagonale à la fin, sinon tout le reste, voilà, comme j'ai dit, hein, on laisse juste un bloc de marge par rapport au bord de la maison, voilà. Et donc évidemment, bah, tous ces murs-là, on les monte jusqu'au plafond, eux aussi. Voilà, du coup maintenant, on va prendre les blocs de quartz rayés, ok, pour pouvoir faire des colonnes, c'est plutôt sympa. Alors, parce qu'évidemment, vous voyez que à ce niveau-là, j'ai laissé de la place pour pouvoir faire des colonnes. Vous voyez que là, ça fait un peu un truc dans ce sens-là. Donc, c'est plutôt sympathique. On va prendre du coup un bloc ici à peu près. Et on va mettre 2 colonnes pour soutenir le poids de la maison. Ici, comme ça. Voilà. Et puis ici, de toute façon, on peut pas en mettre. Donc, comme ça, c'est OK. Et on va en mettre ici aussi, du coup, au niveau du toit qui est suspendu. Hop, ici par exemple, voilà, et hop, ici aussi. C'est vrai qu'il a une drôle de tronche le toit, mais il est stylé, moi j'aime bien. On va peut-être en mettre un au milieu, voir ce que ça donne aussi, genre par là, hop. Ouais, moi je dis ouais.
Ok, alors maintenant je vais tester juste un truc aussi, parce que là j'ai mis les murs en béton gris clair. Je vais tester avec d'autres couleurs pour comme ça vous pourrez choisir par vous-même ce qui vous plaît le plus. Là du coup j'ai remplacé le béton par du bois de sapin et c'est grave stylé, on va pas se mentir. Voilà, donc je vais tester aussi du coup avec du bois comme ça, c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, voilà, donc vous pouvez voir les différents coloris, un peu ce que ça donne. Bon, comme ça, vous pouvez vraiment choisir la couleur des murs que vous voulez. Je vais tester aussi après d'autres blocs. En bois blanc, ok. Bon, vous voyez ce que ça donne. En grès aussi, du coup. Et ça rend bien, hein, la couleur rend bien classe en grès aussi. Je dois bien l'admettre. Moi, j'ai toujours mon petit faible, hein, je dois bien vous l'avouer, pour le bois de sapin. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs blocs du jeu, hein, honnêtement. Ah, voilà. Là, fait, ouais, là, ça marche, mais c'est du tonnerre, quoi. Moi, j'adore. Il y a les arbres qui m'embêtent. Donc, voilà. Moi, je vais garder ça, du coup, parce que je trouve ça stylé. Voilà. On va faire le toit maintenant. Alors du coup voilà ce que ça donne pour le toit. Alors j'ai pas mal galéré pour trouver exactement ce que je voulais faire. Au final j'ai fait quelque chose d'assez simple. Et ça marche plutôt bien. Regardez de haut. Alors dans l'ordre. Ici j'ai testé plein de trucs, plein de motifs de panneaux solaires. Au final recouvrir toute la surface ici de panneaux solaires, bah ça rend bien finalement. Et donc j'ai gardé ça. Voilà. Toute la partie en herbe ici, j'ai mis quelques arbres même sur tout le long à ce niveau-là, histoire de donner un peu un endroit privé au niveau de la terrasse, que ce soit vraiment privé tout en laissant suffisamment d'espace entre les arbres pour garder une vue, hein, pour qu'on puisse voir sans être vu en quelque sorte, ce qui est plutôt pratique. Au niveau de la terrasse en elle-même, rien de bien ouf, hein, des bronzates à ce niveau-là. Oui, moi j'appelle ça des bronzates, hein, pas des transats. Donc du coup voilà, hein, des transats avec des escaliers, des dalles de bois et une petite dalle de pierre à côté histoire de symboliser une table sur laquelle on pourrait mettre des choses. Voilà. Ici un jacuzzi, l'idée c'est que on peut creuser dans l'eau. Alors on peut creuser dans le toit puisqu'il y a deux blocs de comment on appelle ça. Je vais en vélo. Voilà. L'idée c'est que voilà, il y a deux blocs de profondeur dans le toit, hein, vous voyez, donc il y a deux couches d'épaisseur, et donc du coup ça nous permet de creuser dans le sol pour pouvoir mettre des vitres, en fait, vous voyez, du verre au niveau du fond de notre jacuzzi, ce qui est stylé, hein, vraiment sur le toit du coup. On va rajouter l'eau quand même maintenant qu'on l'a enlevé, ce qui est pratique. Et donc voilà, jacuzzi sur le toit, parce que luxe, voilà, qu'est-ce que t'as besoin d'autre? Ici du coup, voilà, table avec des chaises, en escalier, rien de bien ouf. Par contre, du coup, j'ai un petit peu fait le foufou avec le panneau, pas du tout, avec le parasol. Donc, des barrières de bois, voilà, sur le côté. Une sorte de, comment on appelle ça, des dalles, en fait, tout simplement, pour tenir le parasol, qui, lui, est un parasol classique, mais qui est tenu par-dessus, du coup. Vous voyez, comme ça. Donc, c'est plutôt sympa, plutôt facile, plutôt stylé. Voilà. Et du coup, on recouvre les blocs de quartz à ce niveau-là. On recouvre l'ensemble de la terrasse par des barrières de verre. Voilà, pour faire des barrières. Ok, donc du coup, au niveau du deuxième étage, on va faire la piscine déjà. Donc, en premier lieu, du coup, pour pouvoir aménager notre grande terrasse ici, on va en premier lieu faire l'escalier d'extérieur. À ce niveau-là, c'est-à-dire dans le prolongement de la route qu'on a mis tout à l'heure. Alors, j'ai fait plusieurs essais, en gros, voilà ce à quoi je suis arrivé. C'est de commencer par le haut en mettant à la place de la ligne de blocs de quartz qu'on avait mis avant, des escaliers en quartz, tout simplement, sur donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de large, ok ? Puis après on les fait descendre bah, petit à petit jusqu'au sol. L'idée c'est de garder au niveau des barrières en fait de l'escalier des diagonales pures en fait tout simplement de sorte à recoller à la route au niveau du bas. Vous voyez hein, au niveau de la longueur du mur ici, eh bien il suffit de le prolonger tout simplement jusqu'à ce que on arrive à mettre l'escalier par-dessus comme ça. L'idée c'est en fait je suis parti du haut et je suis descendu avec mes escaliers comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop,
Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et hop. Ok. Et une fois qu'on arrive avec ces escaliers-là comme ça, on peut prendre les blocs de quartz et les mettre sur le côté, ici comme ça. Ok. Pouf. Les mettre par derrière aussi. Hop. Ici, on va boucher le haut. Et puis, on va peut-être rajouter une couche dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, on est plutôt bien. On a une belle rambarde d'escalier. Et donc, effectivement, en dessous, bah, là, c'est là qu'on voit effectivement que le mur que j'ai rajouté marche plutôt bien. Hein, c'est qu'il arrive directement en dessous de la rambarde qu'on vient de mettre ici, comme ça. Et du coup, ça nous fait quelque chose de joli. Hop. Vous voyez. Alors, du coup, on va rajouter des barrières en verre par-dessus. Hop, comme ça. Hop, hop, hop. Et comme ça, du coup, on a l'escalier au niveau du, voilà, du prolongement de la route. Donc, on pourrait théoriquement monter une voiture sur la terrasse. Bon, ce ne serait pas possible, mais dans la théorie, pourquoi pas. Et puis, maintenant, du coup, on va mettre en place la grande piscine qu'on va mettre sur la terrasse. Alors, du coup, on va faire un grand trou déjà pour commencer parce qu'on est chaud, parce que voilà. On va, du coup, prendre le bord de la plateforme ici. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs. Et à partir de ce moment-là, je vais te donner les différentes dimensions que j'ai fait pour réaliser ce trou. Donc, on a 3 blocs de trou ici. Puis après, on laisse un bloc. On en met 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en diagonale. Puis 2. 2, 2, 3, ici 6, 4, 3, un petit là-bas, 2, 2, et 3 jusqu'au bout du coup. Et tout le reste à l'intérieur, on l'enlève et on va rajouter une barrière du coup de blocs de quartz ici sur toute la longueur, hop, comme ça, ok, et on va même doubler la taille. Parce que voilà, c'est le luxe. Hop, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des murs en verre, parce que c'est plus swag. Voire même, en verre bleu. Alors, c'est pas ici. Hop, alors, en verre bleu clair, par exemple. On va tester. Et on va les mettre, en fait, vous voyez, à un bloc du bord, comme ça. On va juste laisser un bloc, hop, comme ça, sur la ligne. Et on va mettre un mur de verre du coup à ce niveau-là, tout en laissant toujours un bloc par rapport au bord de la maison en fait. On va mettre deux couches comme ça, ok. Hop, voilà ce que ça donne. Maintenant du coup, bah, on n'a qu'à tester avec de l'eau, tiens. Hop. J'ai aussi testé du coup de rajouter des feuilles sur le côté ici, et ça rend plutôt bien, ça fait un peu tropical dans l'idée, moi j'aime bien. On a une belle vue, hein, n'empêche. Ah ouais, là ça commence à causer. Maintenant il reste vraiment que les finitions et les fenêtres à mettre, qui va vraiment mettre du piment dans l'oseille. Ça veut rien dire, mais j'avais envie de le dire. Hop, du coup je rajoute un peu des bronzates sur le côté en suivant la courbe de la piscine, parce que c'est toujours ça qui est mieux. Ouais, j'ai du mal avec le français ces temps-ci, hein, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hop, on va rajouter aussi du coup des comment on appelle ça, des tables à ce niveau là avec voilà, du verre par exemple, du verre et des tapis qu'on aime bien, hop, par exemple en blanc, vous voyez, voilà, ça fait une table en verre. On pourrait rajouter d'autres choses aussi à ce niveau là sur la terrasse. On peut rajouter de la verdure encore une fois, voilà, avec des, comment on appelle ça, des barrières. Hop, voilà, posté un peu partout, à ce niveau-là, par exemple, hop, et mettre des feuilles par-dessus, hop, youp, 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 ok, ouais, ça rend bien. Maintenant, du coup, il n'y a plus qu'à mettre la tour, ok, plus les fenêtres et les finitions de la maison. Alors du coup, j'ai mis en place les fenêtres et je vais vous donner les dimensions là où je les ai mises en fait. Alors, pour commencer au premier étage, j'ai pas encore mis le plancher aussi d'ailleurs, il faudrait que j'y pense.
L'idée, c'est que je vais laisser 5 blocs, 5-6 blocs à chaque fois. Vous voyez, là, il y a 5 blocs de murs. Après, je mets 1, 2, 3, 4, 5 blocs de fenêtres. Ok, sur le devant. Je vais quand même laisser plus de murs que de fenêtres. L'idée, c'est que après ici, en plein centre, vous voyez, je vais laisser du coup 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de fenêtres. Touche qu'au plafond. Ok. Sur la tranche ici, là où il y a toutes les lignes en diagonale, eh bien, on va laisser, on va remplacer toutes les diagonales qu'il y avait ici par donc 4, 5, 6, 7, encore une fois, blocs de largeur au niveau de la fenêtre. Ok. Alors ici du coup, dans la continuité, on va remplacer encore les diagonales du coup par 3, 4, 5 blocs de largeur de fenêtres en plein milieu du coup du mur. Hop, de ce côté-là du coup, juste à côté de l'escalier, du coup donc juste à côté de la grande de ce grand mur-là, on va remplacer donc 3, 4, 5 blocs de mur par des vitres complètes. Hop. De l'autre côté, on laisse juste un bloc sur le côté en fait, du mur et on va remplacer donc 3, 4, 5 encore blocs de large pour la fenêtre. Alors au niveau du tunnel, on va juste ouvrir complètement les deux parties à ce niveau-là. Ok, on va juste laisser deux blocs de chaque côté. Voilà. Et on va ouvrir en plein milieu ici pour pouvoir aller de chaque côté de la maison. Voilà. Ici sur le côté du coup, on va laisser deux blocs voilà, de marge au niveau du mur et on va remplacer donc 3, 4, 5, encore une fois, 5 blocs de largeur pour la fenêtre. Et pareil au niveau du dessus hein, du coup, ici aussi, donc fenêtre de 5 blocs de large en plein milieu, voilà, pareil. Ici du coup, alors là c'est un peu particulier vu qu'au niveau du premier étage, il y a le mur qui fait une encoche comme vous avez pu le voir lorsqu'on l'a fait. Et donc du coup, les vitres vont être au niveau à ce niveau là et donc on va les ouvrir aussi d'ailleurs pour laisser la place pour passer de l'extérieur à l'intérieur. L'idée c'est qu'on va faire une terrasse à ce niveau là qui sera en partie couverte par la maison elle-même, vous voyez, ça rend quelque chose de plutôt stylé. Après du coup on va laisser 5 blocs de murs et on remet 5 blocs de fenêtres pareil au-dessus en dessous. On laisse ce mur là et ce mur là. Et pareil, encore une fois, 5 blocs de fenêtres ici et au-dessus. Et au niveau du coup de la façade des murs ici, on va ouvrir complètement. Là, pour le coup, on va laisser encore une fois les deux blocs de marge sur les côtés des murs et on remplace tout le reste par des vitres. Pareil au niveau du dessus. Et j'ai juste envie de tester quelque chose en fait. J'ai juste envie de tester hop, les piliers. Au niveau du dessus, hop, est-ce que ça rend bien? Ah, il y a quelque chose, ça fait un peu rapproché avec les autres piliers, mais il y a quelque chose quand même. Ok, moi j'aime bien, donc je vais laisser quand même. Alors l'idée maintenant, la maison commence à être bien chargée, là ça commence à bien se sentir, on va mettre plutôt le sol en place, c'est-à-dire vraiment tout l'intérieur. Voilà, ici on va changer l'herbe par du bois, pareil de l'autre côté évidemment. Et après on fera vraiment les finitions avec en partie le terrain je pense quand même. Hop, alors du coup j'ai fait le plancher au niveau de l'intérieur des maisons et j'ai fait un peu le terrain aussi à l'extérieur, j'ai fait un peu de finition. Je vais vous montrer tout ça, donc là le plancher, bon là rien de bien compliqué. Alors, le seul truc à dire au niveau du plancher, c'est que j'ai mis des escaliers, vous voyez, de bois, du coup, en dessous des vitres. Pour qu'il éviter les connexions de texture. Comme je sais, il y en a certains qui sont tatillons là-dessus. Et donc, bah voilà, ça vous permettra d'éviter les connexions de texture comme ça. Autre truc, du coup, aussi, j'ai mis toute une ligne comme ça de quartz sur tout le long de la maison à l'extérieur. Ce qui donne un côté sympa. Ça fait ressortir, en fait, la maison lorsqu'on la regarde de loin. Et ça, c'est plutôt stylé. Voilà, j'ai aussi rajouté, comme vous pouvez le voir, des fleurs du coup devant les vitres, hein, devant les fenêtres. À chaque fois c'est ça, les rosiers du coup devant les fenêtres. Ça rend plutôt bien, ça donne de la couleur en tout cas à la maison encore une fois. Autre du coup finition que j'ai réalisée aussi, ça va être au niveau des étages. J'ai rajouté des escaliers comme ça, comme vous pouvez le voir, au niveau
des planchers au niveau de chaque niveau, car comme on avait fait des étages avec un plancher à deux niveaux ici, à deux profondeurs de blocs, et bien du coup sur le côté on peut mettre des escaliers comme ça. Et donc j'ai fait tout le tour de la maison avec des escaliers un à l'envers et un à l'endroit l'un contre l'autre, en faisant tout le long comme ça, vous voyez, de la longueur du bâtiment, et ça rend bien. Ça rend bien, honnêtement, regardez de loin. Ça donne pas mal de relief tout en donnant un peu de forme à la maison. Ça rend plutôt bien, vraiment bien. Moi, j'aime bien, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à faire ça aussi. Alors, du coup, maintenant, ce qu'il nous reste à faire vraiment pour vraiment finir, ça va être la tour en elle-même qu'on n'a pas fait depuis le début de l'épisode. Alors, l'idée, du coup, c'est qu'on va faire une ouverture ici. 2-3 blocs de hauteur. On va changer le sol aussi, tant qu'à faire. Par du bois. Hein. Hop, du coup... Voilà, le centre de la tour en bois avec le dessous des vitres, avec voilà, les blocs de coin en quartz, du coup pour faire toujours la continuité avec l'ensemble de l'extérieur du bâtiment. Vous voyez, du coup voilà. Ah oui, alors petite remarque, du coup au niveau de la tour en elle-même, ce que j'ai fait c'est que j'ai raboté la tour, je lui ai enlevé le dernier étage de bloc à ce niveau-là, je l'ai abaissé et j'ai un petit peu amélioré le contour voilà, du haut. Voilà, donc je l'ai abaissé de un bloc, finalement. Et maintenant, du coup, hop, on va faire les ouvertures pour pouvoir entrer dans la maison. Ça serait plus sympa si je casse pas ce qu'il y a de l'autre côté. Paf. Voilà, on va faire des ouvertures. Ok, on va rajouter du coup une couche de bois ici pour éviter des connexions de texture encore une fois. On va même tant qu'à faire ouvrir sur toute la longueur des deux étages. Ouais, c'est ça, des deux étages ici jusque là du coup. Pour pouvoir faire passer le futur escalier du coup. Alors ouais, là je suis en train de tout casser, c'est pas ce qu'il faut non plus. Ici on va garder... Ok, voilà, donc ça on enlève, et on enlève ça aussi. Ok, donc là on a quelque chose d'à peu près propre, sauf au niveau du dernier, de la terrasse finale finalement. Ok, donc on va enlever ça ici aussi, pour avoir quelque chose d'à peu près propre. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va placer un escalier. Alors du coup, j'ai placé des demi-dalles sur la paroi du coup de notre tour en verre. Et donc voilà, alors l'idée c'est que on va créer un escalier pour pouvoir monter d'étage en étage. Le truc c'est que du coup j'ai pris des dalles et je les ai collées contre la paroi en descend de un bloc, un demi-bloc à chaque fois. Jusqu'à descendre, voilà, jusqu'ici. Le problème, c'est que ça prend un bloc sur notre entrée. Donc l'idée c'est qu'on va décaler l'entrée en réalité. Ok, on va la décaler de deux blocs sur le côté comme ça. Comme ça, on aura une entrée plus large et plus, hop, plus commode, plus swag aussi, parce qu'on aime le swag. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on va monter juste à partir de là, de un bloc à chaque fois, de une dalle à chaque fois, hein, une dalle par une dalle. Et normalement, vous arriverez au bon endroit, pile poil, pour pouvoir faire la jonction avec, avec l'étage, ici. Donc on enlève les parties... on n'a pas besoin à ce niveau là ok, et donc voilà, là on va avoir notre premier escalier. On va augmenter la largeur des dalles, hop, de ce qu'il faut pour faire un escalier, hein, tout simplement. C'est ici que ça va être un peu compliqué du coup. Il va falloir mettre des dalles en diagonale comme ça, hop. Va même falloir mettre des escaliers tout simplement, hein. Pouf, voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, un petit escalier de 3 blocs de large. On teste quand même pour voir s'il fonctionne. Ouais, 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 ça passe. Ça passe plutôt bien. On va même élargir un petit peu. Non, peut-être pas. Non, ça passe bien. Ça passe bien, ça passe bien. Pareil ici, du coup, alors, entre cet étage-là et l'étage du dessus, par contre, ça va pas être la même chose. On va utiliser... deux dalles à chaque fois pour faire les marches.
Vous voyez, donc deux dalles par deux dalles, et après ça va monter petit à petit, et normalement vous arrivez pile poil au niveau du dessus aussi. Du coup maintenant il va falloir faire l'escalier lui-même, voilà, avec des dalles comme ça, hop, 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 ici, hop, comme ça. Hop, hop. Ok, donc là on devrait avoir un escalier plutôt pas trop mal. On arrive comme ça. Et est-ce qu'on peut monter à l'étage du dessus? Oui. Oui, oui, largement, 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 largement. Donc c'est cool. L'idée maintenant, c'est qu'on va mettre une rambarde d'escalier autour de ça. L'idée, bah, tout simplement, on va prolonger les blocs de quartz qu'on a directement autour de la terrasse, hein, vous voyez. Donc bah, comme ça, ça va permettre de faire une jonction assez fluide du reste, qui est pas mal. Donc voilà, on rajoute du bloc de quartz, du coup, sur tous les côtés des dalles, sur tout l'escalier. Hop, voilà, hein, du coup, ce que ça donne. Et on commence à voir quelque chose, hein, on commence à voir les choses apparaître. Donc, du coup, maintenant, on va le rendre un peu plus saillant, un peu plus joli, hein, peut-être, tout simplement. Donc là, par exemple, hop, on va rajouter un bloc de coin. On va épaissir aussi les choses, parce que là, vous voyez, pouf, on peut rajouter un truc comme ça. On peut rajouter de l'épaisseur aussi, du coup. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ah oui, du coup, on pourrait prolonger aussi du coup les vitres pour que ça fasse le long de l'escalier aussi. Ah, on peut tester ça. On peut tester de prolonger les vitres du coup comme ça. Du coup, il faudrait rajouter les blocs de coin aussi pour pouvoir poser les vitres. Ouais, jusque là on peut. Là, on rajoute. Là, on rajoute. Hop, 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 et hop. On regarde aussi par en dessous si ça passe bien, s'il n'y a pas d'incohérence. Bon, là ça paraît plutôt bien. Je vois pas de problème en tout cas à première vue. Et donc du coup on va rajouter les vitres comme ça sur les dalles de quartz. Enfin sur les blocs de quartz, hein, tout bêtement. Hop, en essayant de les joindre aussi marche par marche. Hop, 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 hop. Et on descend comme ça tout jusqu'en bas. Hop, voilà. Et donc, bah, ça passe plutôt bien. Regardez, en plus, on a vraiment une belle jonction là entre notre terrasse, là, le bord de la terrasse et le bord de l'escalier qui s'enroule directement autour. On va enlever ces blocs-là pour les remettre en bois, hein, et on va, quand on regarde du dessus, ben on a une belle transition, hein, en vrai. Ah, ça passe bien, ça passe bien. Ha, ça c'est pas mal, ça tient. C'est un effet d'opportunité, mais qui est complètement satisfaisant. Hop. Et donc voilà, on a l'excès pour tous les étages. Déjà, j'ai oublié une partie de la vitre ici, visiblement. Voilà. Et bon, bah ok, c'est plutôt pas mal cette histoire. Me semble-t-il qu'on a à peu près fini alors du coup la maison. Avec toujours les arbres qui m'embêtent. Ouais, on a apparemment fini la maison, donc c'est plutôt pas mal. Ça m'a demandé beaucoup de temps, je vais pas vous le cacher. Moi cette maison elle m'a demandé vraiment du temps. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à lâcher des commentaires et des pouces bleus pour celui qui veut gagner cette maison-là. Je donnerai cette maison-là à l'un d'entre vous dans les commentaires de la vidéo. Moi, je suis pas mécontent que ça se termine quand même cette vidéo parce que ça fait plusieurs heures que je suis dessus, je vais pas vous le cacher. Et j'espère que cette maison vous aura plu malgré tout. Enfin, malgré tout, non, j'ai donné de ma personne quand même pour la faire, donc j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous en pensez, tout ça, tout ça. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, pour le prochain tutoriel. Bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine!